Jeju, c'était une journée vraiment superbe pour moi. Toutes ces falaises de lave noire et ces roches façonnées de façon différente, vraiment immenses. J'étais comme dans un lieu complètement hors du temps, quoi. C'était, je trouvais ça superbe. Alors Jeju, j'ai tout aimé. Celle que je voulais voir, c'était les mamies plongeuses. Donc ça, c'est une institution. C'est quelque chose qui se perd et je trouve ça dommage parce que les jeunes ne veulent plus le faire. Donc j'ai assez de chance d'avoir vu ça, au moins une fois dans ma vie. Je trouve qu'elles ont du mérite et que franchement, c'est à leur âge, c'est super beau, quoi. Un beau décor, un bord de mer fantastique, c'était Busan. Le soir, on avait l'hôtel avec la vue sur le pont illuminée et tout, là, c'était magique. Le monde est absolument profondément adorable. C'était assez émouvant en fait de voir comment on s'imbriquait, comment on s'harmonisait. C'était intéressant. Une journée que j'ai passée avec mon fils dans les studios de la BBC. La chance d'avoir participé à un tournage, de voir des vrais acteurs, c'est inoubliable. C'était magique. Les bâtiments, les immeubles, tout ça, c'est très moderne. Je trouve que c'est vraiment magnifique. La Corée, c'était vraiment un beau cadeau d'y aller. C'est une très bonne découverte, voilà. Et j'en suis très content. Des moments riches, mais surtout en famille. On respire, on sent, on vit. Les odeurs de la nourriture, de forêt et d'asphalte se mêlent au rythme d'une culture oscillant entre le matin calme et la nuit animée. Nous avons exploré les trésors de Séoul, Busan et Jeju, tissant des souvenirs uniques avec des personnes chères. Entre nature et urbanisation, nous avons vécu une expérience inoubliable. Fait des rencontres chaleureuses et découvert des merveilles fascinantes. Nous repartons avec des souvenirs précieux et l'envie de revenir. La Corée du Sud est un pays à la beauté intemporelle et à l'âme vibrante. Il nous a accueillis les bras ouverts et nous a laissé émerveiller. Merci de nous avoir accompagnés dans ce voyage et jusqu'à la prochaine aventure. Annyeonghaseyo.